C'est le tous d'un nom vraiment béni et glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est bon d'être de retour dans sa présence, réunis tous ensemble, en même, d'un même cœur, d'une même pensée. On veut louer Dieu et l'adorer. Et on demande à Dieu de vraiment préparer nos cœurs et de fortifier nos cœurs par sa parole. Le message qui va nous être apporté ce soir, amen, qu'il nourrisse nos cœurs avec son Saint-Esprit. Amen. Excusez. On prend le cantique numéro 375, « Quand les élus traverseront ». Thank you.
Seigneur Jésus. Oui, car les élus traverseront. Amen. Merci, Seigneur. Ça sera pour bientôt. Amen. On remercie, Seigneur, pour toutes ces merveilleuses bontés, ces glorieux chants de louange et d'adoration. Amen. C'est de tout notre cœur qu'on veut lui exprimer notre amour à travers ces chants. Amen. On prend le cantique numéro 28. Jésus a dressé la table. Amen. Un bon souper ce soir. Amen. Okay, amen. Un jour, on va tous vivre ça. Amen. Tous ensemble, on remercie le Seigneur pour toutes choses. On va se faire debout, on prie pour toujours une requête spéciale dans le cœur de votre manoir éternel. Amen. Excusez. On va prier aussi pour l'onction Saint-Esprit sur chacun de nous pour
écouter le message que Frère Ferguson nous a amené. On demande au Seigneur aussi de rejoindre Frère Ferguson, de placer ses paroles dans sa bouche. Amen. De nous préparer. Amen. Pour recevoir ce merveilleux message. Amen. Que cet esprit s'empare de notre cœur, nos âmes, nos pensées, complètement, complètement libérées de tout ce qui est en dehors. Un bouclier, comme j'ai dit l'autre fois, autour de nous. Amen. Pour rester simplement dans sa merveilleuse présence. Amen. Ici, il y a deux requêtes en levant. S'il vous plaît, priez pour sœur Becky Leclerc qui a fait une grosse hémorragie à l'accouchement et qui souffre d'amnésie sévère. Elle a besoin de toutes nos prières pour un rétablissement complet et rapide. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Aussi, que Dieu vous bénisse, c'est pour vous informer de continuer à prier pour Isaquia. Je communique avec elle régulièrement. Elle continue sa thérapie. Amen. Je lui ai dit que je demanderai à l'Église de prier pour elle. Amen. On va le faire de tout notre cœur. Amen. On va demander à notre frère Joël. Amen. De nous conduire en prière. Témoigner, on peut travailler, mais c'est toi qui attires. Tu as dit, je bâtirai mon église. Je prie d'aller à la rencontre des acquéreurs de nos frères et nos sœurs qui sont rétrogrades, Père, qui sont éloignés, gardés parmi nous. On sait que le temps est proche. On crie, Seigneur, on te rappelle ta parole, Père. Ce sont des promesses, ce sont notre héritage. Nos frères, nos sœurs, nos familles, réclament en Jésus-Christ. Amen. Touche-la d'une manière spéciale. Tu es le grand médecin. Nous avons confiance que nous demandons avec toi pour que tu vas nous aussi. On demande un rétablissement complet pour que ce soit un témoignage, pour que les deux ou trois se réunissent et prient de même accord. Je te remets le reste de cette réunion en tes mains, Père. Je te prie de voir Frère Ferguson, mais aussi de voir nos oreilles pour recevoir la parole qui va être apportée ce soir. Amen. Qu'on sorte de la réunion de meilleurs chrétiens que lorsqu'on est entré. Oui. Près de toi et qu'on puisse dire, en retournant chez nous, que nos cœurs brûlent au dedans. Alléluia. Merci. Dans le reste de cette réunion, je suis en contrôle, je te prie, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu. Vous pouvez vous asseoir, amen. On va prendre le cantique numéro 513. Toute gloire à Jésus. Thank you.
Enlève le mais au lieu l'éternel pour toujours, pour toute l'éternité. Amen. Nous serons avec lui pour toute l'éternité. Amen. Merci, Seigneur. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Well, God bless you all. Que Dieu vous bénisse tous. I'm all excited tonight. Je suis tout excité ce soir. This subject. Ce sujet. Yes. I think of all when I first came to this message. Je crois que quand je venais tout juste d'accepter le message. This was the subject that battled me, that Satan battled me the hardest with. C'est le sujet avec lequel Satan m'a le plus combattu. He said, "Are you predestinated?" Il disait, es-tu prédestiné? And what a battle! Et quel combat! I had a struggle in my own self. Je combattais vraiment moi-même. And Satan has used this. Et Satan a utilisé ceci. To discourage a lot of people. Pour décourager bien des gens. And they say. Ils disent. Well, if I'm predestinated. Eh bien, si je suis prédestiné. And Satan has used it as a tool to discourage. Et c'est un outil que Satan utilise pour nous décourager. And some things I saw. Il y a des choses que j'ai vues. Brother Branham said, que Frère Branham a dites. The scriptures said, que les écritures disent. I never saw it so clear in my life. Je ne l'ai jamais vu aussi clairement de ma vie. And see how simple it is. De voir à quel point c'est simple. Because the depths of God, parce que les profondeurs de Dieu. God reveals himself in simplicity. Dieu se révèle dans la simplicité. And when it's a revelation from God, et quand il y a une révélation de Dieu, it's so simple. C'est tellement simple. And people make it complicated, but it's simple. Et les gens rendent cela tout compliqué, mais c'est très simple. And predestination, et la prédestination, and election, et l'élection, and foreknowledge, et la préscience, is also simple. C'est aussi simple. And tonight, et ce soir, we would read from the message, nous allons lire dans le message and trust, et j'ai confiance that God will make it so simple to you, que cela montre que Dieu va vous rendre cela très simple à vos yeux, that vous aussi, when you leave tonight, afin que quand vous quitterez ce soir, you'd leave rejoicing, vous allez quitter en vous réjouissant, with joy in your heart, avec la joie dans votre cœur, for what God has shown you, de ce que Dieu vous a montré. Amen. Taking all the fears away. Chassant toutes les craintes. Amen. All the nervousness away. Et toute la nervosité. All the worries away. Et toutes les doutes et les tracas. Amen. Giving you peace. Et il vous donne la paix. And joy. Et la joie. Amen. That you could run the race with patience. Amen. Afin que vous puissiez faire continuer la course avec patience. With confidence in your heart. Et la confiance dans votre cœur. Amen. What God has done for you personally. Dans ce que Dieu a fait pour vous personnellement. You know what he has done for you. Vous savez ce qu'il a fait pour vous. Amen. Personally. Personnellement. Something he did for you. Quelque chose qu'il a fait Amen. Pour vous. Amen. And you know it. Et vous le savez. It's real to you. C'est réel pour vous. Amen. Amen. Not what somebody else say. Pas ce que quelqu'un d'autre a dit. But what God has done for you. Mais ce que Dieu a fait pour and vous. This message, et ce message is a simple message. C'est un message tout simple. For a simple people. Pour un peuple tout simple. Not for everybody. Ce n'est pas pour tout le monde. But for the bride of Christ. Mais pour l'épouse de Christ. And we are grateful to God for that. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela. Now, we will go into this. Maintenant, nous allons aborder cela. And trust it will be a blessing to all. Et je crois que ce sera une bénédiction pour tous. Amen. Amen. And trust it will be so simple. Je crois que ce sera vraiment simple. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Que le nom du Seigneur soit loué. It's been about 4 weeks, 4 or 5 weeks. Il y a maintenant 4 ou 5 semaines. I've been rejoicing on this subject. Que je me réjouis sur ce sujet. Amen. On the when I see what things what I saw Brother Branham said. Les choses que j'ai vues que Frère Branham a dites. So we will approach it tonight in a different direction. Nous allons donc approcher cela d'une direction un peu différente ce soir. And trust it will be a blessing. Et je crois que ce sera une bénédiction. And it will be a blessing. Et ce sera une bénédiction. All right, to all of us. Pour chacun de nous. We come expecting a blessing. Nous venons en nous attendant une bénédiction. And I believe with all my heart. Et je crois de tout mon cœur. God will give us that blessing. Que Dieu nous donnera cette bénédiction. We will not leave disappointed. Nous ne quitterons pas déçus. But we would leave with more. Mais nous allons repartir avec encore plus. Why? Pourquoi? Because he promised. Parce que lui a It's promis. Not me that promised that. Ce n'est pas moi qui a promis It's cela. He that promised. C'est lui qui a promis ça. Do you believe that Est-ce tonight? Que vous croyez cela ce soir? Let's lift our hands. Levons nos mains. Let's give him praise. Et louons-le. Amen. And glorify him. Et glorifions-le. Now, we will stand. Maintenant, nous allons nous lever. Amen. Lord God. Seigneur Dieu. As we gather here tonight, alors que nous sommes rassemblés ici ce soir, in your name, en ton nom, and Father, et Père, before the foundation of the world, avant la fondation du monde, you looked across time, tu as regardé à travers au-delà du temps, and you saw us here tonight, et tu nous as vus ici ce soir, under anticipation, dans l'attente, waiting to hear from you, d'entendre parler de toi, and Father,
et Père, with the expectations in our hearts, avec cette attente dans notre cœur, as we gather in this little building, alors que nous sommes rassemblés ici dans ce petit bâtiment, knowing, Lord, sachant, Seigneur, that we are creatures of eternity, que nous sommes des créatures d'éternité. Why? Pourquoi? Because you made us this way. Parce que c'est toi qui nous as créés ainsi. Your prophet told us, ton prophète nous a dit, we came from eternity, nous sommes venus de l'éternité, and we return to eternity, et nous retournons à l'éternité. And Father, as we gather here, et Père, alors que nous sommes rassemblés ici, in this little period called time, dans cette petite période qu'on appelle le temps, may the Holy Spirit come, que le Saint-Esprit vienne. You are eternity. Toi, tu es l'éternité. May you come now. Et puisses-tu venir maintenant? And in your special way, et d'une manière toute spéciale, visit each individual. Visite chaque individu ici. As your prophet tell us, comme ton prophète nous l'a dit, the revelation is personal. C'est une révélation qui doit être personnelle. To each individual. À chaque individu. Then Holy Spirit, alors le Saint-Esprit, we cry for that revelation. Nous demandons à grand cri cette révélation. Because your prophet told us to do it. Parce que ton prophète nous a dit de le faire. Open our eyes. Et ouvre nos yeux. Open our hearts tonight. Ouvre nos cœurs ce soir. That we could receive from you, afin que nous puissions recevoir de what toi you have to give to us, ce que tu as à nous donner. We thank you tonight. Nous te remercions ce soir. We glorify you tonight. Et nous te glorifions ce not soir. Only the believers here, pas seulement les croyants ici, but around the world, Lord, mais partout dans le monde, Seigneur. Especially in the Ukraine and Russia, particulièrement en Ukraine et en Russie, where the believers are suffering tonight, où les croyants souffrent ce soir. Oh, God, oh Dieu, may their eyes turn to you. Que leurs yeux se tournent vers toi. In all the confrontations of evil, dans toutes ces affrontements de ces méchancetés. Oh God, we want our eyes to be constantly upon you. Oh Dieu, nous voulons que nos yeux soient constamment fixés sur you toi. You are our God, you are our Savior. Tu es notre Dieu et notre Sauveur. And we love you, et Lord. Nous t'aimons, Seigneur. Help us, Father. Aide-nous, Père. Amen. To keep our eyes on you. À garder nos yeux fixés and sur toi. And we thank you. Et nous te remercions. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Now God bless you all. Maintenant que Dieu vous bénisse tous. You can be seated. Vous pouvez vous asseoir. We will start with a scripture here from Genesis. Nous allons commencer par une écriture dans le livre de la Genèse. Genesis chapter 3. Genèse chapitre 3. I'm sorry we didn't have this. I didn't have this on the. Je suis désolé, nous ne l'avons pas ici sur le. Amen. As I got into prayer. Alors que j'étais en prière. Here at the church, it came in my heart. Ici à l'église, cela m'est venu à cœur. So it's Genesis chapter 3. Donc dans Genèse chapitre 3. And we will read from verse 17. Nous lirons à partir du verset 17. And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, curses the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return into the ground, for out of it wast thou taken, for thus dost thou art, and unto thus shalt thou return. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Let me ask you a little question. Laissez-moi vous poser une petite question rapidement. When you look at yourself, quand vous vous regardez, do you realize what you are? Est-ce que vous réalisez qu'est-ce que vous êtes? Where did you come from? D'où venez-vous? From the dust. De la poussière. This is important as we go into predestination. Ça, c'est important alors que nous abordons la prédestination. Very important for you to recognize. C'est très important pour vous de voir cela. Okay. D'accord. Now we'll continue. Maintenant, nous continuons. In John chapter 6, verse 37 to 40. Dans Jean 6, verset 37 à 40. All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. For I came down from heaven not to do mine own will, but the will of him that sent me.
car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. And this is the Father's will which had sent me, that of all which he had given me, I should lose nothing, but shall raise it up again at the last day. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. And this is the will of him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. And then we're going to look at Romans chapter 8 from verse 28 to 29. Nous allons ensuite prendre Romains chapitre 8 versets 28 à 39. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to his purpose. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Brother Branham tells us, we do not understand this scripture. Que nous ne comprenons pas cette écriture. How could all things comment toutes choses work together for good? Puissent-elles concourir au bien? We do not, if we try to think, si nous essayons de penser, as we look at all things happening, alors que nous voyons tout ce qui se produit, it's not possible for us to understand that. C'est impossible pour nous de comprendre cela. But we believe it. Mais nous le croyons. And in God's time, et au temps, dans le temps de Dieu, he will make all these things plain to us. Il rendra ces choses toutes claires pour nous. Amen. Amen. And we look at it and it looks like it's working for the bad. Et nous regardons cela et on dirait que cela concourt au mal. It looks like it's not working for the good. On ne dirait pas que ça concourt au bien. But the word of God says it is working for the good. Mais la parole de Dieu dit que ça concourt au bien. How? Comment? I don't know. Je ne sais pas. But all I know is he said it. Tout ce que je sais, c'est qu'il l'a dit. We believe it. Nous le croyons. And we accept it. Et nous l'acceptons. Amen. 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 And we give him praise for that. Est-ce qu'on peut le louer pour ça? All right, we continue. Continuons. Verse 29. Verset 29. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Moreover, whom he did predestinate, then he also called. And whom he called, then he also justified. And whom he justified, then he also glorified. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. What shall we say then? What shall we then say to these things? If God be for us, who could be against us? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Who could be against us? Qui peut être contre nous? God is for us. Si Dieu est pour nous. Who? Qui? Jesus said. Jésus a dit. He cast out the devil with the finger of God. Il a chassé le diable en utilisant seulement le doigt de Dieu. Brother Branham said he just uses the finger to cast the devil out. Brother Branham a dit qu'il n'a utilisé que le doigt pour le chasser. Amen. What is the devil in comparison to God? Mais qu'est-ce que le diable comparé à Dieu? It's nothing. Ce n'est rien. Amen. You think about evil? Vous pensez à les méchancetés? What is that compared to God? À quoi cela? Qu'est-ce que cela compare à Dieu? God is our God. Dieu est notre Dieu. And how we love him. Et nous l'aimons beaucoup. Amen. Amen. So good to us. Il est tellement bon envers nous. So he continues here. Il continue ici. Verse 31. Verset 31. What shall we then say to these things? If God be for us, who could be against us? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? He that spared not his own son, but delivered him up for us. For us all, how shall he not with him also freely give us all things? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Give us all things freely. Nous donner toutes choses gratuitement. We believe it. Nous le croyons. To doubt it is sin. De douter de cela, c'est péché. We believe. Nous croyons. Let's continue here. Amen. Continuons ici encore. Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifies. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea, rather, that is risen again,
who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Who shall separate us from the love of Christ? Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Amen. As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are counted as sheep for the slaughter. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Do you see yourself as being more than a conqueror? Est-ce que vous vous voyez comme étant plus que vainqueur? The devil doesn't want you to think like that. Le diable ne veut pas que vous pensiez comme ça. He wants you to think that you're always defeated. Il veut toujours que vous pensiez que vous êtes vaincu. Amen. That is not the Bible. Amen. Ça, ce n'est pas la Bible. The Bible tells us here. La Bible nous dit ici. And Brother Branham tells us. Et Frère Branham nous dit. We receive all things by faith. Nous recevons tout par la foi. And that's important when we get into predestination. Et c'est important quand on va parler de la prédestination. Amen. We receive all things of God by faith. Nous recevons toutes choses de Dieu par la foi. Not doubts. Les doutes. Amen. We are not walking as people that are not, you know, you see someone walking like a drunk man. He doesn't know where he's going. On ne marche pas comme, vous savez, vous voyez quelqu'un marcher en titubant comme un ivrogne qui ne sait pas tout. We know that we are in the will of God. Nous savons que nous sommes dans la volonté de Dieu. There's no question in our mind. Il n'y a pas de question dans notre esprit. Brother Branham said, if you have a question mark, Frère Branham dit, s'il y a un point d'interrogation, he says, get that question mark out of your mind. Il dit, chassez ce point d'interrogation. Amen. Why? Pourquoi? We have the answers in the Word. Nous avons les réponses dans la parole. Hallelujah. Alléluia. Oh, I feel good tonight. Oh, je me sens bien ce soir. Amen. Amen. Let's continue here. Continuons ici. Verse 33. Verset 33. Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifies. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea, rather, that is risen again. Who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. So, in verse 37, alors au verset 37, he says, nay, in all these things, we are more than conquerors to him that loved us. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. What a blessing. Quelle bénédiction. Oh, what a blessing. Oh, quelle bénédiction. Amen. Amen. Let's continue. Continuons. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances. Nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. What a word of promise. Quelle parole de promesse. Coming from the mouth of God. Qui sort de la bouche de Dieu. Speaking through Paul. Parlé par Paul. What could separate us? Qu'est-ce qui pourrait nous séparer? Nothing. Rien. What? Quoi? Satan has lost the battle already. Satan a déjà perdu le combat. Evil has lost. La méchanceté a perdu. God has already won. Dieu a déjà vaincu. What a blessing. Quelle bénédiction. We have nothing to fear. Nous n'avons rien à craindre. Just believe. Il suffit de croire. Let's continue. Continuons. Ephesians chapter 1. Dans Éphésiens 1. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. According as he had chosen us in him before the foundation of the world,
that we should be holy and without blame before him in love. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour. When did he choose us? Quand nous a-t-il choisi? When? Quand? Where did he choose us? Où nous a-t-il choisi? In him. En lui. In him. En lui. Not in the world. Pas dans le monde. In him. En lui. What a blessing. Quelle bénédiction. Just reading the scriptures like this. Le simple fait de lire les Écritures comme ça. Let's continue. Continuons. Verse 5. Au verset 5. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. To the praise of the glory of his grace, wherein he had made us accepted in the beloved. Pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. We know that we are forgiven. Nous savons que nous sommes pardonnés. There's no question in our mind. Il n'y a aucun doute dans notre esprit. We know that he has forgiven us. Nous savons qu'il nous a pardonnés. We know that we have been redeemed. Nous savons que nous avons été rachetés. That's important. Ça, c'est important. Let's continue here. Continuons ici. Verset 8. Wherein he had abounded towards us in all wisdom and prudence. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. All right, verse 9. Très bien, verset 9. Having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he had purposed in himself. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. That in the dispensation of the fullness of times, he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are in earth, even in him. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. What a blessing! Quelle bénédiction! Where is he gathering it, Brother Dale? Où rassemble-t-il cela, Frère Dale? In him. En lui. We are gathering in him. Nous nous rassemblons en lui. Who is doing it? Qui le fait? He's doing it. C'est lui qui le fait. And Brother Branham says we are in the gathering time now. We won't get into that now. Et Frère Branham dit que nous sommes dans le temps de l'union ici maintenant. Amen. The time when he's gathering us. Le temps où il nous rassemble, c'est where? Maintenant. Where? Où? In him. En lui. Wonderful. C'est merveilleux. All right. Très bien. Now, one little scripture here I want to read again. Une autre écriture que j'aimerais lire ici. 2 Peter chapter 3 and verse 9. Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9. The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. But is long suffering to us what? Not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. All right. Très bien. What a blessing. Quelle bénédiction. I think we are all ready now. Je crois que nous sommes tous prêts maintenant. To move deeper now. D'aller un peu plus profondément maintenant. Into the mystery. Dans le mystère. Of predestination. De la prédestination. And see what God has for us there. Afin de constater ce que Dieu a en réserve pour nous. Brother Branham speaking about it here in the message Israel and the Church. Frère Branham en parle dans le message Israël et l'Église. He says in the Garden of Eden. Il dit dans le jardin d'Éden. When man realized he had sinned. Quand l'homme s'est rendu compte qu'il avait péché, he tried to make himself a religion, a covering. Il a essayé de se fabriquer une religion, une couverture. The word religion means covering. Le mot religion signifie couverture. And Adam and Eve sewed fig leaves together and made themselves a religion. Et Adam et Ève ont cousu des feuilles de figuier et se sont fabriqués une religion. And since then, it's been a strain of man down through the age trying to do something to save himself. Et depuis lors, il y a toujours eu chez l'homme, tout au long des âges, une prédisposition à essayer de se faire quelque chose pour se sauver lui-même. But he was saved by grace. Mais c'est par la grâce que vous êtes sauvé. Election. L'élection. God's foreknowledge. La prescience de Dieu. Predestination. La prédestination. Foreordination. La prédétermination. Paul tells the church at Ephesus that God predestinated us in Christ before the foundation of the world. Paul dit à l'église d'Éphèse que Dieu nous a prédestinés en Christ avant la fondation du monde. Think of it. Pensez-y.
predestinated us in Christ before the foundation of the world. Il nous a prédestinés en Christ avant la fondation du monde. What are we worried about then? Alors pourquoi nous inquiéter? Get away from the worry. Chassez l'inquiétude. We are just the happiest creatures you have ever seen. Nous sommes vraiment les créatures les plus heureuses qu'on ait jamais vues. My. Oh là là. How can you believe that and keep from being happy? Comment pouvez-vous croire cela et ne pas être heureux? When you believe that God predestinated you. Quand vous croyez que Dieu vous a prédestiné. When you see that you were chosen in Him before the foundation of the world. Quand vous voyez que vous avez été choisi en Lui avant la fondation du monde. Brother Branham says here. Frère Branham dit ici. He says, "My." Il dit, oh là là. How could you believe that and keep from being happy? Comment pouvez-vous croire cela et ne pas être heureux? Now. Bon. We'll go further. Nous allons aller un peu plus loin. Amen. Wonderful, isn't He? Il est merveilleux, n'est-ce pas? Leadership. Dans être conduit. There's only one form of eternal life. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. And that comes from God. Et elle vient de Dieu. And He foreordained every creature that will ever have it. Et il a prédestiné chaque créature qui allait un jour l'avoir. Just as you were the gene in your father. Tout comme vous étiez un gène dans votre père. He was a gene in God. Vous étiez un gène en Dieu. Are we going to go a little deep into that a little later? Maintenant, nous allons sonder cela plus profondément un peu plus tard. That you, as you were a gene in your father, alors que vous étiez un gène dans votre père, and the prophet says, et le prophète dit, if you were not in your father, si vous n'étiez pas dans votre père, you couldn't be born. Vous n'auriez pas pu naître. And same thing with God. Et il en est de même avec Dieu. Let's continue here a little bit as we read. Continuons encore un peu ici alors que nous lisons. All right. Très bien. He says, just as you were the gene in your father, you was a gene in God. Donc il dit, tout comme vous étiez un gène dans votre père, vous étiez un gène en Dieu. One of his attributes to begin with. Un de ses attributs dès le départ. Or you'll never be there. Sinon vous n'y serez jamais. You come forth in the bed and ground of your mother. Vous êtes apparu dans le terrain d'ensemencement de votre mère. Your father didn't know you. Votre père ne vous connaissait pas. You were in his loins. Vous étiez dans ses reins. But when you come forth in the bed and ground of the mother, et quand vous êtes apparu dans le terrain d'ensemencement de la mère, then you become a human being. Alors vous êtes devenu un être humain. And are made in the image of your father. Et vous avez été fait à l'image de votre père. Now you can fellowship with him. Maintenant vous pouvez être en communion avec lui. And the same thing by God. Et c'est la même chose avec Dieu. If you got eternal life. Si vous avez la vie éternelle. The life that you come in. La vie avec laquelle vous arrivez. The natural life. La vie naturelle. Physical life. La vie physique. That was by your father. Celle-là venait de votre père. And the only way you could come born again. Et le seul moyen pour vous de naître de nouveau. It's the only way. Le seul moyen. It has to be from your heavenly father. C'est qu'il faut que ça vienne de votre Père céleste. His attributes. De ses attributs. All that the Father has given me will come to me. See. Tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi. Voyez. All right. You are here because your name was placed in the Lamb's Book of Life. Vous êtes ici parce que votre nom a été placé dans le livre de vie de l'agneau. Before there was even a foundation of the world. Avant même qu'il y ait eu une fondation du monde. That's exactly right. C'est tout à fait vrai. You're a gene. Vous êtes un gène. A spiritual gene. Un gène spirituel. Out of your heavenly father. Qui vient de votre Père céleste. Amen. A part of God's word. Une partie de la parole de Dieu. See, it's why when we say to God, Father. Vous voyez, c'est pourquoi quand nous disons à Dieu Père. Brother Branham said it means. Frère Branham dit que what we are saying. Ce que nous disons. Is I come from you. C'est je viens de toi. That's why we call him. C'est la raison pour laquelle nous l'appelons Père. It's not just a word. Ce n'est pas simplement un mot. It has a meaning. Il y a une signification derrière a spiritual application. Une application spirituelle. We came from him. Nous venons de lui. He, lui, God, Dieu, is our father. Est notre Père. And because he's our father, et parce qu'il est notre Père, we were in him. Nous étions we en came lui. From him. Et nous sommes venus de lui. Amen. Amen. But what came from him? Mais qu'est-ce qui est venu de lui? What part of you came from him? Quelle partie de vous est venue de lui? We'll get to that in a little bit. Nous allons y arriver dans un peu de temps. Brother Branham says here, continuing. Brother Branham continue ici. He said, if that be so. Il dit s'il en est ainsi. As I have said, then you was with Jesus when he was here, because he was the Word. Comme je l'ai dit, alors vous étiez avec Jésus quand il était ici, parce qu'il était la parole. You,
suffered with him. Vous avez souffert avec lui. Died with him. Vous êtes mort avec lui. Buried with him. Vous avez été enseveli avec lui. And rose with him. Et vous êtes ressuscité and now, avec lui. Et maintenant, sitting in heavenly places in him. Vous êtes assis dans les lieux célestes en lui. Now, bon. Let me read that again for you. Laissez-moi relire cela pour vous. When we think of Calvary, quand on pense au calvaire, and all the sufferings that Jesus took, et à toutes les souffrances qui ont infligé Jésus, we tend to disassociate ourselves from that. On a tendance à se dissocier de cela. No. Non. You were in him. Vous étiez en lui. And Brother Branham says, et Brother Branham dit, you suffered with him. Que vous avez souffert avec lui. You died with him. Vous êtes mort avec lui. Buried with him. Vous avez été enseveli avec rose lui. Rose with him. Et vous êtes ressuscité avec lui. And now, et maintenant, sitting in heavenly places in him. Vous êtes assis dans les lieux célestes en lui. So when we think about Easter, donc là, quand on pense à Pâques, when we think about the resurrection of Jesus, et qu'on pense à la résurrection de Jésus, we are a part of that. On fait partie de cela. Oh, glory. Do you see it? Est-ce que vous le voyez? Let's lift our hands, give God praise. Levons nos mains, rendons gloire à Dieu. Amen. When he went to Calvary, quand il est allé au calvaire, we were in him. Nous étions en lui. We suffered with him. Nous avons souffert avec lui. We died with him. Nous sommes morts avec lui. We rose with him. Nous sommes ressuscités avec Why? Lui. Why? Pourquoi? Because we are a part of Parce him. Que nous sommes une partie de lui. That's who we are. C'est ce que nous sommes. Let's continue. Continuons. We're gonna. I'm going to skip just a little one and come back mm-hmm. to this one after. So we go to the communion. Mm-hmm. Nous allons prendre le message de la communion. Here's what he says. Voici ce qu'il dit. Like in the book here. C'est comme dans le livre ici. And the spot there we were talking about. La partie spécifique dont nous parlions là. The two books being one, the book of life. Les deux livres qui sont un, le livre de vie. The first book of life coming up was when you were born. That was your natural birth. Le premier livre de vie est apparu quand vous êtes né. C'était votre naissance naturelle. So Brother Branham here talking about the two books. Donc, Frère Branham parle des deux livres. The book of life. Le livre de vie. And the book of and the Lamb's excuse me and the Lamb's book of life. Et le livre de vie de l'agneau. And he's telling us. Il nous dit. The book of life here. Le livre de vie ici. Is the said in the invisible union of the bride. He said it's the record of your natural life. Dans l'union invisible de l'épouse, il dit que c'est ce qui enregistre votre vie naturelle. When you were born as a human being from your father. Quand vous êtes né de votre père en tant qu'être humain. Amen. In the natural. Dans le naturel. He continues here. Let me read it again for il you. Il continue ici. Je vais le relire pour vous. He says, like in the book here. C'est comme dans le livre ici. And the spot that we was talking about. La partie spécifique dont nous parlions là. The two books being one, the book of life. Les deux livres qui sont un, le livre de vie. The first book of life coming up. Le premier livre de vie est apparu. Was when you were born. Quand vous êtes né. That was your natural birth, see? C'était votre naissance naturelle, voyez? And then one time way back down in there. Mais alors à un moment donné tout au fond, là, there was a little grain of life. Là où il y avait un petit grain de vie. As I was explaining to some of the young sisters at the house this afternoon. Comme je l'expliquais à quelques-unes des jeunes sœurs à la maison cet après-midi. See, there's a little grain of life laying there. Voyez-vous, il y a un petit grain de vie qui se trouve là. That you wonder. Alors, vous vous posez des questions. Where did it come from? D'où est-ce venu? What these strange things? Que sont ces choses étranges? I was saying this. C'est ce que je disais. Taken for myself. En citant mon exemple, comme si on disait, like you were going to say, comme si on disait, William Branham, well, 40 years ago, William Branham, it isn't the same one tonight. William Branham, eh bien, il y a 40 ans, ce William Branham-là n'est pas le même que celui de ce soir. I like that. J'aime cela. Because you look back at my life. Parce qu'on regarde derrière dans ma vie. People say, well, I know George Ferguson, he did this, he did that. Des gens, Frère Ferguson, je le connais, il a fait ceci, il a fait cela. That was not the George Ferguson tonight. Ça, ce n'est pas le George Ferguson qui est là ce soir. And the same thing for you, which we'll go deep into that, we'll read some quotes on that. Et c'est la même chose dans votre cas, et nous allons examiner cela, nous allons lire des citations sur ce sujet plus Brother tard. Brother Branham goes on. Frère Branham continue. He says, talking about it, he says, William Branham, well, 40 years ago, the William Branham, it isn't the same one tonight. Et il disait,
William Branham est bien il y a 40 ans, ce William Branham-là n'est pas le même que celui de ce soir. If somebody back there would say, William Branham, he was a rank rascal. Si quelqu'un de cette époque-là disait, William Branham, c'était un vrai coquin. See, because I was born of Charles and Ella Branham. Voyez-vous, parce que j'étais né de Charles et de Charles et Ella Branham. In their nature, I was a sinner. De par leur nature, j'étais un pécheur. See? Voyez? I came to the world a liar. Je suis venu au monde un menteur. And all the habits of the world laid right in me. Et toutes les habitudes du monde étaient déjà en moi. Listen to this now. Écoutez ceci but maintenant. Down in there, mais tout au fond, was another nature present. Il y avait aussi une autre nature qui était présente. See, predestinated. Voyez-vous, prédestiné. Was in there by God. Placé là par Dieu. In the same body, see? Dans ce même corps, voyez-vous? Two natures in there. Deux natures à l'intérieur. All right, Brother Branham continues. Très bien, Frère Branham continue. We'll go to that in a little bit. Nous allons y arriver. Well, I only catered to one. Eh bien, je ne m'abandonnais qu'à une seule. As it grew, I grew as a baby. Au fur et à mesure qu'elle grandissait, je gazouillais comme un bébé. Dada. First thing you know, I become a liar. Tout à coup, je suis devenu menteur. Become everything else that's a sinner. Je suis devenu tout ce qu'un pécheur peut être. Because I was raised up that way. Parce que j'ai grandi comme ça. But down in there was a little speck of life all the time. Mais tout au fond, pendant tout ce temps, il y avait une petite parcelle de vie. Now, let's go a little deeper into that. So we take another quote of Brother Branham where he spoke about that. Nous allons sonder cela un peu plus profondément, alors nous allons prendre une autre citation de Brother Branham qui parle de cela. Amen. Two natures. Deux natures. In the same body. Dans le même corps. I'll let Brother Branham explain it in question and answers. Je vais laisser Frère Branham l'expliquer dans le message question-réponse. So question and answers. Donc, question-réponse. He says here. Il dit ici. This is a dying spirit in a dying body. Celui-ci est un esprit mourant dans un corps mourant. But now, you can't be in two bodies at one time. Mais bon, vous ne pouvez pas être dans deux corps à la fois. But there could be two natures in you at one time. Par contre, il peut y avoir deux natures en vous à la fois. So you can't be in two bodies at the same time. Donc, vous ne pouvez pas être dans deux corps à la fois. But mais you could have two natures vous pouvez avoir deux natures at the same time. En même temps. Okay? D'accord? Now, we're going to look at these two natures in a little bit. Bon, nous allons bientôt examiner ces deux natures. Amen. That represents what you were. Qui représente ce que vous étiez. Now, you said what I was. We read from the prophet. Vous dites ce que j'étais. Nous allons lire ce que le prophète dit. Now, let's continue here. Maintenant, continuons ici. All right? Très bien. I'll reread this for you because this is important. Je vais relire ceci parce que c'est important. This is a dying spirit in a dying body. Celui-ci est un esprit mourant dans un corps mourant. But now, you can't be in two bodies at one time. Mais bon, vous ne pouvez pas être dans deux corps à la fois. Amen. Amen. But there could be two natures in you at one time. Par contre, il peut y avoir deux natures en vous à la fois. Now, the nature of the spirit of the Lord. Maintenant, la nature de l'esprit du Seigneur. When you were born again. Quand vous naissez de nouveau. You are not born of physical. Vous ne naissez pas physiquement. Like the baby was. Comme dans le cas du bébé. But what's happened, mais ce qui est arrivé, the spiritual birth has come to you. C'est que vous avez reçu la naissance spirituelle. And while this spiritual birth is growing in your heart, et alors que cette naissance spirituelle grandit dans votre cœur, of God, naissance qui vient de Dieu, there is a physical or a celestial body growing to receive that spirit. Il y a un corps physique ou un corps céleste qui grandit pour recevoir cet esprit. So that spiritual birth as it's growing in you. Alors c'est cette naissance spirituelle alors qu'elle grandit en vous. There is a celestial body. Il y a un corps céleste. Paul spoke about it. Paul en a parlé. And we'll take a little. I don't think we'll be able to finish tonight. Je ne crois pas que nous allons pouvoir terminer. Let's see what happened. Mais voyons ce qui va Paul passer. Paul spoke about it in 2 Corinthians chapter 5. Let's go there quick. Paul en a parlé dans 2 Corinthiens 5. Nous allons le prendre rapidement. So you can see what Brother Branham is talking about here. Afin que vous puissiez voir de quoi parle Frère Branham ici. And in 2 Corinthians 5 verse 1. Dans 2 Corinthiens 5 verset 1. And we know that if our house of this earthly tabernacle were dissolved, we have a building of God, a house not made with hands, eternal in the heavens. Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. For in this we groan earnestly, desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes...
Notre domicile céleste. If so be that being clothed we shall not be found naked. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. For we that are in this tabernacle do groan, being burdened, not for that we would be unclothed, but clothed upon, that mortality might be swallowed up of life. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. So when we leave this, we go into that outer body. Alors quand nous sortons ici, nous entrons dans cet autre corps. Vous vous souvenez de Frère Branham qui parle de ça? That's our theophany. C'est notre théophanie. That's right close to us. Qui est juste à côté de nous. That's what he said to us. C'est ce qu'il nous a dit. We won't go into that. Nous n'allons pas entrer là-dedans. Take us too much time, but let's get back here. Ça nous prendrait trop de temps, mais reprenons ici. He says here. Alors il dit ici. Let's just go back here. Reprenons ici. When you were born again, you're not born of physical like the baby was. Quand vous naissez de nouveau, vous ne naissez pas physiquement, comme dans le cas du bébé. But what happened? The spiritual birth has come to you. Mais ce qui est arrivé, c'est que vous avez reçu la naissance spirituelle. And while the spiritual birth is growing in your heart of God, et alors que cette naissance spirituelle grandit dans votre cœur, naissance qui vient de Dieu, there is a physical or celestial body going to receive that spirit. Il y a un corps physique ou un corps céleste qui grandit pour recevoir cet esprit. And when the life leaves this body, et quand la vie quitte ce corps, it goes to that body, elle va vers ce corps-là. Just as when the body is presented to the earth, tout comme quand le corps est présenté à la terre, the spirit comes in. L'esprit entre. Now we watch that spirit that comes in when the baby is born in a little bit. Maintenant, see what Brother Branham said about it. On va examiner l'esprit qui entre dans ce bébé quand il est. Nous allons examiner ce que Frère Branham dit à ce sujet un peu plus tard. Are you with me? Est-ce que vous me suivez? Because you have a spirit that Parce comes que vous avez in un esprit qui entre en vous. And a soul that comes in you. Une âme qui entre en vous. Let's go on. Continuons. Brother Branham says, just as when the body is presented to the earth, tout comme quand le corps est présenté à la terre, the spirit comes in. L'esprit entre. And when the spirit goes out of the body, et quand l'esprit sort du corps, there is a body waiting. Il y a un corps qui attend. For we know that after this earthly tabernacle, be dissolved, we have one already waiting. Nous savons en effet qu'après que cette tente où nous habitons sur la terre aura été détruite, nous en avons un autre. Une autre qui nous attend déjà. See, that's it. Voyez, c'est ça. The spiritual body of the people. Le corps spirituel des gens. Now, Brother Branham is going to tell us a little bit about this spirit. Maintenant, Frère Branham va nous parler un peu plus de cet esprit. That we receive. Que nous recevons. Okay. D'accord. And let me just back up a little bit. I'm going to go back and read this. Et laissez-moi revenir en arrière un peu. Je vais revenir lire ceci. That we didn't read. La citation que nous n'avons pas lue. It's in, excuse me here. Yeah, it's leadership. Dans le message « Être conduit ». Are you following? Est-ce que vous me suivez? No, we're going to go a little deep now. Maintenant, nous allons aller plus profondément maintenant. Brother Branham says, dit, he says, look here, you are an outside person. Regardez, vous êtes une personne extérieure. You have five senses that contacts that outside body. Vous avez cinq sens qui contactent ce corps extérieur. God gave you five senses not to contact him. Amen. Dieu vous a donné cinq sens, pas pour entrer en contact avec lui. Your earthly home. Mais avec votre demeure terrestre. See, taste, feel, smell and hear. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. So that's the body. Ça, c'est le corps. And where did this body come from? Et d'où vient ce corps? The earth. De la terre. This is earth. Ça, ça vient de la terre. Everybody agree on that? Tout le monde est d'accord. Then you have a spirit on the inside of that. Puis vous avez un esprit à l'intérieur de ça. And it has five outlets. Et il a cinq sorties. Remember the five outlets? Vous vous souvenez les cinq sorties? Who knows? Qui les connaît? Preach that in greatest battle ever fought. Il a prêché cela dans la plus grande bataille jamais livrée. That's in your spirit. Dans votre esprit. He says here. Il dit ici. Okay. Conscience and love and so forth. La conscience et l'amour et ainsi de suite. Remember the five? Vous vous souvenez des cinq? Conscience. La conscience. Love. L'amour. Reasoning, le raisonnement, imagination, l'imagination, and memory, et la mémoire. Okay, d'accord. There's your five. You could check. You ce could, sont les cinq. Vous pouvez aller vérifier. He spoke a lot about that in Greatest Battle Ever Fought. Il en a parlé beaucoup sur ce sujet dans la plus grande bataille jamais livrée. Many messages. We won't go into that. Nous n'allons pas entrer dans ce sujet. That's another aspect. C'est un autre aspect de. But let's continue here. Continuons ici. Your physical contacts the physical.
Votre partie physique entre en contact avec ce qui est physique. The spiritual contacts the spiritual. Votre partie spirituelle entre en contact avec ce qui est spirituel. But inside of that, you've got a soul. Mais à l'intérieur de ça, vous avez une âme. And that soul et cette âme is that gene that comes from God. C'est ce gène qui vient de Dieu. Now, the soul comes from God. Donc, cette l'âme vient de Dieu. But where did the spirit come from? Mais d'où vient l'esprit? Where did your spirit come from? D'où est venu votre esprit? So the, let's see. The prophet says the soul. Écoutez, le prophète dit l'âme. Is the gene that comes from God? C'est le gène qui vient de Dieu. Your body. Votre corps. Came from the earth. Vient de la terre. But that spirit you have, where did it come from? Mais cet esprit que vous avez, d'où vient-il? The message has the answer. Le message a la réponse. Because all the answers parce que toutes les réponses is found in the word of God. Se trouvent dans la parole de Dieu. So to the word we go to get the answer. Nous allons donc à la parole pour recevoir notre réponse. Are you ready? Êtes-vous prêt? Now that spirit has those five inlets. Maintenant, cet esprit a ses cinq sorties. Amen. Amen. All right, we name them. Nous les avons nommés. All right. Très bien. Brother Branham says, no, he says this in the message, I know it not. Il dit ceci maintenant dans le message, et tu ne le sais pas. He says, now inside of that is a spirit. Il dit, et à l'intérieur de ça, il y a un esprit. Il y a un esprit. Which you become when you were born in the earth. C'est ce que vous devenez quand vous naissez sur terre. And the breath of life is breathed into him. Et que le souffle de vie est soufflé en lui. This, that spirit. Cet esprit is of a worldly nature. A une nature mondaine. Because it was not given from God. Parce qu'il n'a pas été donné de Dieu. Wow. Oh là là. But it was given, permitted by God. Mais il a été donné, permis par Dieu. Now, you got that? Vous comprenez là? For every child that's born in the world, car chaque enfant qui naît dans ce monde is born in sin, est né dans le péché, shaped in iniquity, conçu dans l'iniquité, come to the world speaking lies, venu au monde en disant des mensonges. That right? N'est-ce pas vrai? So that person inside there is a sinner to begin with. Alors cette personne là à l'intérieur, c'est un pécheur dès le départ. Now it's got five inlets. Or il y a cinq entrées. And them inlets. Et ces cinq entrées. I don't know what I can. Call them right off now. Je ne sais pas si je pourrais toutes les énumérer maintenant. First, I know it's thought, conscience, and love, and choice. D'abord, je sais qu'il y a la pensée, la conscience et l'amour, le choix. No. Non. Conscience, love, reason. La conscience, l'amour, le raisonnement. There's five inlets to the spirit. Il y a cinq entrées à l'esprit. You can't think with your body. Vous ne pouvez pas penser avec votre corps. You think with your spirit. Vous devez penser avec votre esprit. So in French we use a lot your spirit when we say in English mind. Vous voyez en français on utilise souvent le mot esprit quand on dit en anglais le mot mind. Mind is we would say pensée. On dirait pensée. But in the French Bible and mais dans la Bible en français you would say spirit. On dit souvent esprit. So Brother Branham here is saying. Donc Frère Branham ici dit. He says you can't think with your body. Il dit vous ne pouvez pas penser avec votre corps. You have to think with your spirit. Vous devez penser avec votre esprit. You can't have conscience in your body. Vous ne pouvez pas avoir une conscience dans votre corps. It has no mental facilities at all. Il n'a aucune faculté mentale. Votre corps n'en a pas. Your body doesn't. Votre corps n'en a pas. So you have to think with your spirit. Alors vous devez penser avec votre esprit. You have to reason. Vous devez raisonner. You can't reason with your physical being. Vous ne pouvez pas raisonner avec votre être physique. Because reason doesn't see, taste, feel, smell or hear. Parce que le raisonnement ne peut pas voir, goûter, toucher, sentir ou entendre. Reason is what you can make in your mind. Le raisonnement, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans votre esprit. If you're asleep or you're out, si vous êtes endormi ou si vous êtes parti, your body is laying there dead. Et que votre corps est là, mort. But your spirit can still reason. Votre esprit, lui, il peut encore raisonner. Amen. There's five senses that control that inside man. Il y a cinq sens qui contrôlent cet homme intérieur. But to the last man, which is the soul, maintenant ce dernier homme qui est l'âme, there's only one sense that controls that. Il n'y a qu'un seul sens qui le contrôle. And that is free moral agents, free will to choose or to reject. Et c'est le choix du libre arbitre, de choisir ou de rejeter.
Now, let's go a little deeper into this. Maintenant, allons encore un peu plus profondément dans ça. Are you ready? Êtes-vous prêt? It's so simple. C'est tellement simple. It's just so simple, thank God. C'est tellement simple et nous remercions Dieu. You see it? Vous le voyez? All right. Très bien. Now, Brother Branham says here. Bon, Frère Branham dit. In the message, souls that are in prison now. Dans le message des âmes qui sont maintenant en prison. He says now, the soul of man is not the body of man. Il dit, or, l'âme de l'homme, ce n'est pas le corps de l'homme. It is the soul. C'est son âme. See? Voyez? And the soul is something that. Et l'âme, c'est quelque chose qui est. The nature of the spirit. La nature de l'esprit. And then, when the nature of a man. Et alors, quand la nature d'un homme. When he said. Quand il a dit que. We are dead. Nous sommes morts. The scripture plainly tells us that we are dead. L'écriture nous dit clairement que nous sommes morts. And our lives are hidden God through Christ. Et que notre vie est cachée en Dieu par Christ. Sealed there by the Holy Spirit. Scellée là par le Saint-Esprit. Now it wasn't that your body died. Or, ce n'est pas que votre corps soit mort. It wasn't your spirit died. Ce n'est pas que votre esprit soit mort. It was the nature of your spirit died. C'est la nature de votre esprit qui est mort. See, the nature which is the soul. Voyez-vous la nature, ce qui est l'âme. The soul that sinneth, it shall die. L'âme qui pêche mourra. That's the Bible. Ça, c'est la Bible. So Brother Branham said, it's your soul. It's the nature which is the soul. Alors, Frère Branham dit que c'est l'âme, la nature qui est l'âme. Remember we said it was two natures. Brother Branham said it's two natures in maintenant, one body. Souvenez-vous, on a dit qu'il y avait deux natures. Frère Branham dit qu'il y a deux natures dans et qu'il peut y avoir deux natures dans un corps. He says here, the nature of your soul. Il dit ici, la nature de votre âme. Is God. C'est Dieu. If you're born again. Si vous êtes né de nouveau. We went into that in this on the seal of God. We went deep into that. Nous avons sondé cela très profondément quand nous avons parlé sur le sujet du sceau de Dieu. When showing you where God. Pour montrer où Dieu leads you into that divine nature. Vous conduit dans cette nature divine. Faith, patience, godliness, all of that. La foi, la patience, la piété, tout amen. Ça. Amen. You're made partakers of the divine nature. Vous êtes participants de sa nature divine. And the only how you can have it. Et la seule manière de l'avoir. Because you came from God. C'est parce que vous êtes venu de Dieu. All right. Très bien. Let's continue here because there's a part of this that we really need to get to if the Lord helped me. Continuons parce qu'il y a une partie ici que nous devons vraiment aborder si le Seigneur m'aide. I don't want to rush too much. Je ne veux pas trop me dépêcher. But at the same time, we have to, we, you know, we want to try our best to make sure you get this. Mais en même temps, je veux m'assurer de mon mieux que vous puissiez voir cela. So Brother Branham says here. Alors, Frère Branham dit ici. He says, because if you love the world or the things of the world, I'm sorry. Oh, yeah. Okay. I'm sorry. I'm sorry here. Just one second. So he says, the nature of your soul is God if you're born again. Il dit, la nature de votre âme, c'est Dieu si vous êtes né de nouveau. If it's not, it's of the world. Si ce n'est pas le cas, elle est du monde. Anything that begins has to end. Tout ce qui a eu un commencement doit avoir une fin. So therefore, the only way that you can have eternal life. Et donc, le seul moyen pour vous d'avoir la vie éternelle. Is to have a life that never did begin. C'est d'avoir une vie qui n'a jamais eu de commencement. And then your life did begin when you were born. Or, votre vie à vous, oui, elle a commencé à votre naissance. Okay, when God breathed the breath of life into your nostrils. Au moment où Dieu a insufflé dans vos narines le souffle de vie. And you become a living soul. Et où vous êtes devenu une âme vivante. Then you begin then. C'est là que vous avez commencé, à ce moment-là. Then, souls that are in prison now, we go a little further. Puis maintenant, dans des âmes qui sont maintenant en prison, nous allons aller but that soul that's in there. Par contre, cette âme qui est à l'intérieur, see, voyez-vous? The soul is what God is working on. See? C'est dans cette âme que Dieu fait son œuvre, voyez-vous? If he could only get that nature. S'il peut seulement amener cette nature, that spirit, cet esprit, to agree with him. À être d'accord avec lui. Remember, last week we spoke on that. Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons parlé sur ce sujet. Where Brother Branham said, if a man is not born again, he will argue against the word. He'll never agree on the word. Frère Branham dit que si un homme n'est pas né de nouveau, il va toujours argumenter avec la parole. Il ne va jamais être d'accord avec la never parole. Line up with that word. Il ne va jamais s'aligner avec cette parole. So Brother Branham is saying here. Alors Frère Branham dit ici. He said, if he can only get that nature, that spirit to agree with him. S'il peut seulement amener cette nature, cet esprit, à être d'accord avec lui. And when that nature agrees, something happens. Quand cette nature est d'accord, alors quelque chose se produit. Let's see what happens. Voyons ce qui se produit. Here. Ici, là. If he can only get that nature, that spirit to agree with him. S'il peut seulement amener cette nature, cet esprit, à être d'accord then avec lui. Then that nature dies. Alors cette nature-là, elle meurt.
The nature and the love of the world dies. La nature et l'amour du monde meurent. So there's a nature that dies. Alors il y a une nature qui meurt. And that nature in you that dies. Et cette nature en vous qui meurt. Is what you were born with. C'est la nature avec laquelle vous êtes né. See? It's the nature of the world. C'est la nature du monde. Because you were born a sinner. Parce que vous êtes né pécheur. And in the new birth. Et dans la nouvelle naissance. It dies. Elle meurt cette nature. What a blessing. Quelle bénédiction. Now, I trust the Lord you've been blessed. Maintenant, je crois selon le Seigneur que vous êtes béni. See, he brings you into agreement with him. Il vous amène en accord avec lui. What? Who? The word. Qui? La parole. All right, let's go on. Continuons. Because if you love the world or the things of the world, en effet, si vous aimez le monde ou les choses du monde, the love of God is not in you. See, l'amour de Dieu n'est pas en vous. And a man must be born again. Il faut que l'homme naisse de nouveau. So this nature has to die. Donc cette nature doit mourir. And the nature of God comes and lives in you. Alors la nature de Dieu vient vivre en vous. Oh, what a blessing! Oh, quelle bénédiction! What a blessing! Quelle bénédiction! Are you blessed? Êtes-vous béni? To see that. De voir cela. Now let's go a little deeper now into what some of the things I really want to share with you. Maintenant, nous allons aller plus profondément dans certaines des choses que j'aimerais vraiment vous lire. All right. Now, I'll skip a little bit here. Très bien, je vais sauter quelques citations ici. We'll probably come back to it. Nous allons peut-être y revenir. And trust you. You see what we are saying, yes. Je crois que vous allez comprendre ce que nous disons ici. This is nice. Ça, c'est très bon ici. All right. Très bien. Okay, I'm reading this one just before I go to my some of those I want to really share with you. Laissez-moi lire celle-ci avant de lire celle que je veux vraiment vous lire. Lean not on thy own understanding. Dans le message, ne t'appuie pas sur ton intelligence. This is wonderful. Ça c'est merveilleux. Now, this is not Brother Ferguson. Maintenant ça, ce n'est pas Frère Ferguson. This is God. Ça c'est Dieu. Revealing these things to us. Qui nous révèle ces choses. Now listen. Maintenant écoutez. So, you see, donc, voyez-vous, if you were in the foreknowledge of God, si vous étiez dans la prescience de Dieu, then you are becoming a part of God. Alors, vous devenez une partie de Dieu. And the only way that you could be a son of God or a daughter of God, et le seul moyen pour vous d'être un fils de Dieu ou une fille de Dieu, you had to be a part of God. C'est que vous deviez être une partie de Dieu. What part of God were you? De quelle partie de Dieu êtes-vous? But Branham says, Frère Branham dit, you were in his thoughts. Vous étiez dans sa pensée. Right? C'est vrai? All right. Let's go on because I'll read for you. Instead of me saying, I'd rather read it for you. Continuons. Je vais le lire pour vous. Au lieu de vous le dire, j'aime mieux vous le lire. He says here. Il dit ici. The only way you could be a son of God or a daughter of God. Et le seul moyen pour vous d'être un fils de Dieu ou une fille de Dieu. You had to be a part of God. C'est que vous deviez être une partie de Dieu. And God. Et Dieu. Isn't complete. N'est pas complet sans vous. Wow. Oh là là. Have you ever thought of that? Avez-vous déjà pensé à ça comme ça? Brother Luke. En frère Luc. He says, but I'm not worthy. Vous dites, mais je ne suis pas digne. It has nothing to do with that. Ça n'a aucun rapport. That's what God determined. C'est ce que Dieu a décidé. You say, Brother Ferguson, I don't understand all these things. Vous dites, mais Frère Ferguson, je ne comprends pas toutes ces choses. You doesn't have to understand it. Ce n'est pas important, vous n'avez pas besoin de le comprendre. You believe it. Vous le croyez. He takes care of the rest. Et lui, il s'occupe du reste. You can ask him for anything. Vous pouvez tout lui demander. Even if you want to ask him, Lord, I don't understand. Help me to understand. Vous pouvez lui demander, Seigneur, je ne comprends pas, aide-moi à comprendre. You can ask him for anything. Vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez. He's your father. Il est votre père. You're his child. Et vous êtes son enfant. And he gives you freely all things. Il vous donne gratuitement toutes choses. Let's continue. Even your faithfulness. Même votre fidélité. Even your obedience. Même votre obéissance. In God. En Dieu. To obey his word. D'obéir à sa parole. To do what he wants. De faire ce qu'il veut. He gives you grace for that. Il vous donne la grâce de le faire. Because Jesus said, parce que Jésus a dit, without me, you could do nothing. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Do you see that? Est-ce que vous could voyez cela? Est-ce que nous pouvons lever la main et le louer Amen. Pour cela? He is worthy of all praise. Il est digne de toute louange. All right, we continue here. Très bien, on continue. So God isn't complete without you. Et Dieu n'est pas complet sans vous. It has to be. That's right. Forcément, c'est exact.
Because there's only one resource of eternal life, and that is God. Parce qu'il y a une seule, il n'y a qu'une seule source de vie éternelle, et c'est Dieu. And Him alone has eternal life. Et lui seul a la vie éternelle, voyez. And now you are a part of Him. Donc, et vous étiez une partie de lui. In so much that you are an attribute. En ce sens que vous êtes un attribut. In His thinking in the beginning. Ou que vous étiez dans sa pensée au commencement. And that because He thought of you in the beginning. Et c'est à cause de ça, parce qu'il pensait à vous au commencement. It gives that little tug towards Him. Que vous êtes attiré vers lui. That's what has to be quickened. C'est cela qui doit être vivifié. Now, some of them will never be quickened. Certaines personnes ne seront jamais vivifiées. They just don't have it. That's all. Ce n'est tout simplement pas en eux. C'est un point, c'est tout. Now. Maintenant. All what we have said here. Tout ce que nous avons dit ici. We've read several quotes. Nous avons lu plusieurs citations. We're going to go now a little deeper into some things I really want to share with you. Maintenant, nous allons aller un peu plus profondément et examiner des choses que je voulais vraiment, vraiment vous lire. From Brother Branham. De Frère Branham. All right. Très bien. This quote. Cette citation. Help me. M'a aidé. To see what Brother Branham is saying. À voir ce que Frère Branham dit. And what the scriptures are saying. Et ce que les Écritures disent. Concerning predestination. En ce qui concerne la en ce qui a trait à la prédestination. It is from the message. It is the rising of the sun. Now listen. C'est tiré du message. This. C'est le lever du soleil. Maintenant, écoutez attentivement. Okay. D'accord. He says, "Oh my." Il dit, oh là là. I'm going to read a lot here. Maintenant, je vais lire beaucoup ici. I want to take my time. Je veux prendre mon temps. Even if we don't finish tonight, that's not a problem. Si on ne termine pas ce soir, c'est pas grave. But let me go here. Mais laissez-moi prendre ici. Oh my. Oh là là. The predestinated one, of course. Celle qui a été prédestinée, bien sûr. Like the seed laid upon the earth. Comme la semence qui reposait sur la terre. The one that had life in them. Celle qui avait la vie en elle. Many of them were dead. Un grand nombre d'entre elles étaient mortes. They were just rotten seed. The waters and things burnt them out. C'était des semences pourries, sans plus. L'eau et tout les a consumées. But you know, there was a seed laying there, ready for life. Mais vous savez, il y avait une semence qui reposait là, prête à recevoir la vie. And God knew it was laying there. Dieu savait qu'elle reposait là. Now, the predestinated ones. Or, ceux qui ont été prédestinés. Are the first to be quickened by the Holy Spirit. Sont les premiers à être vivifiés par le Saint-Esprit. For the Holy Spirit comes to claim His own. Car le Saint-Esprit vient prendre possession des siens. Now, Brother Branham says this. Listen. Maintenant, Frère Branham dit ceci. He said, "Now this is deep now, and be sure to catch this good." Il dit, ça c'est profond là, et assurez-vous de bien le saisir. Are you ready? Êtes-vous prêt? Now, Brother Ferguson is just reading the quote. Maintenant, Frère Ferguson ne fait que lire la citation. I've met people that disagree with me for reading quotes. J'ai rencontré des gens qui ne sont pas d'accord avec moi quand je lis des citations. The prophet told us to say what he said. Le prophète nous a dit de dire ce qu'il a dit. What can we do? Que pouvons-nous faire? All right, let's continue. Continuons. God help us. Que Dieu nous aide. Brother Branham says. Frère Branham dit. Listen to this. Écoutez ceci. He says, "Now this is deep now." Il dit, ça, c'est profond, là. And be sure to catch this good. Et assurez-vous de bien le saisir. Now, we're going into our subject now. Maintenant, nous entrons dans le sujet, là. Now, as the sun was sent across the earth. Maintenant, de même que le soleil avait été envoyé sur la surface de la terre. Not to bring rocks, which was dirt also. Non pas pour faire vivre les pierres, qui étaient aussi faites de terre. Not to bring rocks, which was dirt also to life. Il ne devait pas faire vivre tout ce qui était fait de terre. It was not to bring all the dirt to life. It was not to bring all the dirt to life. Il ne devait pas faire vivre tout ce qui était fait de terre. But was to bring the part of the dirt which was enclosed around alive. Mais il devait faire vivre la partie de la terre qui enserrait une vie. Do you see that? Est-ce que vous voyez cela? Now, everything, it comes from the earth. Maintenant, tout vient de la terre. We came from the earth. Nous sommes venus de la terre. The cattle came from the earth. Le bétail est venu de la terre. The birds came from the earth. Les oiseaux sont venus de la terre. When you eat an apple, quand vous mangez une pomme, do you realize what you're eating? Est-ce que vous réalisez ce que vous mangez? It comes from the earth. Ça vient de la terre. But you don't think like that. Mais vous ne pensez pas de cette manière-là. You think about yourself. Vous pensez à vous. This here. Ça ici. Come from the earth. Ça vient de la terre. But.
Mais in the natural, dans le naturel, there was a gene of life. Il y avait un gène de vie. Coming from your grandparents. Qui vient de vos grands-parents. And this gene of life, et ce gène de vie, quickened, a été vivifié. It brought forth the dirt. Et cela a produit la terre. We took the dirt. Et il a pris la terre. We eat apples. Nous mangeons des pommes. We eat chicken. Nous mangeons du poulet. Where did the chicken come from? D'où vient le poulet? From the earth. De la terre. If we eat a banana, si nous mangeons une banane, where did the banana come from? D'où vient la banane? From the earth. De la terre. Where did you come from? D'où venez-vous? The earth. De la terre. We all from the earth. Nous venons tous de la terre. And we all gather here tonight. Et nous sommes tous rassemblés ici ce soir. From the earth. De la terre. That's why Brother Branham made this statement. C'est la raison pour laquelle Frère Branham a fait cette déclaration ici. I want to stop and read it for you because I want to hurry. Je veux m'arrêter pour lire cela pour vous parce que je veux me dépêcher. This message is so wonderful. Ce message est tellement merveilleux. It's page 17. Here. Mm-hmm. Listen to this before we go on with that. Écoutez ceci avant qu'on continue avec ça. Brother Branham says here. Frère Branham dit ici. Before I close this subject. Avant de quitter ce sujet. I know there's a question in your mind. Je sais que vous avez une question à l'esprit. You will want to know. Vous voudriez savoir. If I believe in the doctrine of pre-existence. Si je crois la doctrine de la pré-existence. In another message, he said. Dans un autre message, il a dit. He said he didn't believe in the Mormon doctrine of the pre-existence of the soul. Qu'il ne croyait pas à la doctrine du moment de la préexistence de l'âme. Listen to this. Écoutez ceci. I don't believe in that Mormon doctrine of the pre-existence of souls. Je ne crois pas à cette doctrine de la préexistence des âmes qui est celle des Mormons. More than I believe in reincarnation. Pas plus que je ne crois à la réincarnation. Or the transmigration of souls. Ou à la transmigration des âmes. You probably never heard of that. Vous n'avez probablement jamais entendu parler de ça. There are people who believe. Il y a des gens qui croient. That my spirit. Que mon esprit. Could leave. Peut partir. And the spirit of another man could come into my body. Et l'esprit d'un autre homme peut entrer dans mon corps. You know, there are people that believe such things as that. Il y a des gens qui croient de telles choses. But there's no scripture for those things. Mais il n'y a aucun passage d'écriture pour vérifier ces choses. See? So, nobody could take. But a Philip's spirit out of him. Personne ne peut faire sortir l'esprit de Frère Philippe. And put another, put their spirit in him. Et mettre leur esprit en lui. See? Voyez? So it's all fake. Alors tout ça, ce n'est pas vrai. Amen. Amen. But we continue here what Brother Branham says. Alors nous continuons à lire ce que Frère Branham dit. He says, "Be careful here and see this." Il dit attention, comprenez bien ceci. I'm going to read that for you again. Je vais relire cela pour vous. Be careful here and see this. Attention, comprenez bien ceci. It is not the person that comes predestinated eternally from God. Ce n'est pas la personne qui est prédestinée par Dieu depuis l'éternité. It's not the person. Ce n'est pas la personne. It is the word or seed. C'est la parole, la semence. That is it. Voilà ce que c'est. So if you look at yourself, alors si vous vous examinez vous-même, or I look at myself, ou que moi je me regarde, what is it that is predestinated? Qu'est-ce qui est prédestiné? The prophet said, le prophète dit, it is the word or seed. C'est la parole, la semence. Now here is the whole earth. Maintenant voici toute la terre. An orange seed. Et une semence d'oranger. Fall into the dirt. Qui tombe dans la terre. In it is a little grain of life. Dans cela, il y a un tout petit grain de vie. But no scientist knows what life is. Et qu'aucun scientifique n'est capable d'identifier and ce qu'est la vie. Brother Branham tells us, et Frère Branham nous dit, that little grain, ce petit grain, amen, when the sun comes, quand le soleil vient, frappe, the dirt, la terre, that surrounds that seed, qui enveloppe cette semence, is quickened, est vivifiée. Now, we are dirt. Maintenant, nous sommes de la terre. And the gene of God, et le gène de Dieu, the life of God, la vie de Dieu, fell in this earth, est tombé dans cette terre, and quickened, et a vivifié, the dirt, la terre, that was around that germ, qui a enveloppé cette semence, ce gène.
But it's not the dirt. Mais ce n'est pas la terre. When you eat an apple, quand vous mangez une pomme, you're thinking about the life of the apple. Vous pensez à la vie de la pomme. That apple that you eat, cette pomme que vous mangez, had to be in another apple. Elle devait être dans une autre pomme. And another apple. Et une autre another pomme. Apple, et une autre pomme. Its way back. Et une autre pomme jusqu'en arrière, jusqu'au commencement. Just like you. Tout comme vous. In the genes of your father and your grandfather and your grandfather and your grandfather. Le gène dans votre père et de votre grand-père et de votre arrière-grand-père. And the same thing in God. Et c'est la même chose en Dieu. That's why you're a part of God. La raison pour laquelle vous êtes une partie de Dieu. And Brother Branham tells us. Et Brother Branham nous dit. Amen. God is not complete without you. Dieu n'est pas complet sans vous. Now it's true that these things are deep, but they're simple. Mais c'est vrai que ces choses sont profondes, mais elles sont simples. Because more you go into the depths of God, more it becomes simple. Parce que plus vous entrez dans les profondeurs de Dieu, plus c'est simple. Because Brother Branham tells us that. Parce que c'est Frère Branham qui nous dit ça. God reveals Himself in simplicity. Dieu se révèle dans la simplicité. Now. Let's go back to what we were reading here. Non, reprenons ce que nous étions en train de lire. I must have. It is in the message. It is the rising of the sun. 16. Yes, 16. Okay. Here's what he says now. Voici ce qu'il dit ici. Now, as the sun was sent across the earth. Maintenant, de même que le soleil avait été envoyé sur la surface de la terre. Not to bring rocks, which is good also to life. Non pas pour faire vivre les pierres qui étaient aussi faites de terre. It was not to bring all the dirt to life. Il ne devait pas faire vivre tout ce qui était fait de terre. But was to bring the part of the dirt which was enclosed around a life. Mais il devait faire vivre la partie de la terre qui enserrait une vie. Now, are you seeing it a little bit? Maintenant, est-ce que vous le voyez un peu? The cow is dirt. Le bétail est terre. The chicken is dirt. Le poulet est fait de terre. The fish is dirt. Le poisson est fait de terre. You are dirt. Et vous êtes fait de terre. Your body. Votre corps. Not your soul. Pas votre âme. Your body. Votre corps. Your soul. Votre âme. Is the gene of God. C'est le gène de Dieu. You see it. Est-ce que vous le voyez? See? Vous voyez? And the sun was not sent to quicken. All the dirt. Et le soleil n'a pas été envoyé pour vivifier tout, faire vivre toute la terre. But to quicken, mais pour faire vivre the part of the dirt, la partie de la terre that was enclosed where the life was. Qui enserrait une vie. So the apple, alors la pomme pull all the ingredients from the earth, a tiré tous les ingrédients de la terre produce an apple. Et a produit une pomme. See? Vous voyez? Where did that apple come from? D'où vient cette pomme? The dirt. De la terre. But the gene of the apple tree, the life of the apple tree is in there. Et la vie du pommier, le gène du pommier à l'intérieur, c'est ça qui a produit to ça. To produce that. You follow what we are saying. Vous suivez ce qu'on dit là. Let's continue here with what Brother Branham is telling us. Continuons ici ce que Frère Branham nous dit. Not all men, excuse me. Excusez-moi. Not all men will receive Christ. Ce ne sont pas tous les hommes qui recevront Christ. Oh no. Oh non. But those which God foreordained to life, mais ceux à qui Dieu a prédestiné la vie, is housed around some of the dirt of the earth, qui sont enfermés dans une partie de la poussière de la terre. That's the one He comes to quicken. C'est celui-là qu'il vient vivifier. That's the ones. Ce sont ceux-là. That now that dirt would lay there in the sun. Bon, là, il y a cette terre qui reste là sous le soleil. And say, oh, this old sun is so hot. Et qui dit, oh, ce vieux soleil, il est tellement chaud. That rock will say, il y a cette pierre qui dit, this old sun is so hot. Ce vieux soleil, il est tellement chaud. But that little seed said, mais cette petite semence, elle dit, that's what I'm looking for. C'est ce que je cherche. Amen. 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 And it begins to spring forth to life. Et elle commence à prendre vie. It quickened that part of the dirt. Il a vivifié cette partie-là de la terre. Because the sun was sent. En effet, le soleil a été envoyé. Not to quicken the rock. Non pas pour vivifier la pierre. Which, not to quicken the dirt. Non pas pour vivifier la terre. But to quicken the life of the seed. Mais pour vivifier la vie de la semence. Let me read that again for you. Maintenant, laissez-moi relire cela pour vous. Because the sun was sent. En effet, le soleil a été envoyé. Not to quicken the rock. Non pas pour vivifier la pierre. Not to quicken the dirt. Non pas pour vivifier la terre. But to quicken the life of the seed. Mais pour vivifier la vie de la semence. Now the Holy Spirit comes now. Maintenant, le Saint-Esprit vient maintenant.
Of course, it wasn't sent. Bien sûr, il n'a pas été envoyé. Why won't all the people receive it? Pourquoi tous les gens ne le recevront-ils pas? It wasn't sent to them. Ce n'est pas à eux qu'il a été envoyé. See? A guy told me. Un gars me disait. I don't believe. Je ne crois pas. I don't care what you say. Peu m'importe ce que vous pourriez me dire. Ce que vous pourriez dire. If you could raise up the dead or anything, si vous pouviez ressusciter les morts ou n'importe quoi, and heal the sick, guérir le malade, and prove it anyway, et le prouver de n'importe quelle don't façon, believe it. Je n'y crois pas quand même. I said, certainly not. J'ai dit bien sûr que non. You're an unbeliever. Vous êtes un incroyant. It don't mean a thing. Pour vous, ça ne compte pas du tout. It wasn't even sent to you. Ce n'est même pas à vous que cela a été envoyé. It was sent to those. C'est envoyé à ceux qui vont croire. The message is to the believer. Le message, c'est pour le croyant. To them that perish, pour ceux qui périssent, is foolishness. C'est une folie. But to them that are in Christ, mais pour ceux qui sont en Christ and part of the seed, et qui font partie de cette semence, it's life. C'est la vie. One guy would raise his hand and rejoice. Quelqu'un lèvera la main et se réjouira. Lord, I thank you. Seigneur, je te remercie. You're so good. Tu es tellement bon. Another one will say, I see nothing. Un autre dira, ben, moi, je ne vois rien. Vous voyez? It wasn't sent for them. Ça n'a pas été envoyé pour eux. Sad but true. C'est triste, mais c'est la vérité. Because it's all the earth. Parce que c'est toute la terre. But the seed falls there. Mais la semence tombe là. And it quickens that part of the earth. Et cela fait vivre cette partie de terre. And then Brother Branham tells us this here. Puis Frère Branham nous dit ici, I don't know if I had that here. Je ne sais pas si j'ai la station ici. I'm sorry, I didn't. Je suis désolé, je... And maybe we won't have time. Peut-être que nous n'aurons pas le temps. He talked about how this body, et il dit que ce corps, how it's quickened. Comment cela est vivifié. Amen, because the seed falls. Parce que la semence tombe. And he said it has to fall in fertile ground. Et il dit que cette semence doit tomber dans une terre fertile. And the fertility of the ground, he tells us. Et la fertilité du sol, il dit, is faith. C'est la foi. And God, he said, in Works as Faith Express, he said God prepared it before the foundation of the world. Et il dit dans la foi sont les œuvres et sont l'expression de la foi. La foi sont les œuvres exprimées. Il dit. God prepared it before the foundation of the world. Dieu a préparé cela avant la fondation du monde. So it has to fall into something. Alors cela doit tomber dans quelque chose. Just like Israel. Tout comme Israël. They heard the word. Ils ont entendu la parole. That Moses preached. Que Moïse a prêché. But the Bible says. Mais la Bible dit. It didn't find faith in them that heard it. Cela n'a pas trouvé la foi dans ceux qui l'ont entendu. But to us. Mais pour nous. As the word falls. Alors que la parole tombe. We catch it by faith. Nous l'attrapons par because la foi. In our hearts there is faith. Parce que dans notre cœur il y a la foi. We believe it. Nous la croyons. And he spoke. If you want, you can look in the message Works as Faith Express. He spoke about that. Et vous voyez, vous pouvez le voir vous-même dans le message. Il prêche cela dans la foi sont les œuvres exprimées. Do you see it? Est-ce que vous le voyez? All right. Très bien. Oh, this is so good. Oh, c'est tellement bon. See? Vous voyez? It's not you. Ce n'est pas vous. It's he that is in you. C'est celui qui est en vous. It's not the flesh. Ce n'est pas la chair. It's he that is in the flesh. C'est celui qui est dans la chair. So, when you think about predestination, alors, quand vous pensez à la prédestination, think about about the word. Pensez à la parole. Think about the seed. Pensez à la semence. Think about that. Pensez à ça. Because it's the seed. Parce que c'est la semence. Falling in you. Qui tombe en vous. You see, God had to have that. Vous voyez, Dieu avait besoin de cela. Not all the earth. Pas toute la terre. It's apples. C'est les pommes. Not all the earth. Pas toute la terre. It's fish. C'est le poisson. Not all the earth. Pas toute la terre. It's birds. Mais c'est un oiseau. But yet the bird comes from the earth. Néanmoins, l'oiseau vient de la terre. You see it. Vous le voyez? Amen. And that part of the earth. Et cette partie de terre. The word, the seed of God had to fall somewhere. La semence de Dieu devait tomber quelque part. Let's go a little further. Allons encore un peu plus loin. You beginning to see it? Est-ce que vous commencez à le voir? If you do, raise your hand and give God praise. Si vous le voyez, levez la main, louez Dieu. Amen. Isn't he good? N'est-il pas bon? We could raise our hands. Nous pouvons lever la main. We could thank him for everything. Et nous pouvons le remercier pour tout. Amen. Amen. All right. Très bien. Now, I'll read for you. Je vais lire pour vous. He's so good to us. Il est tellement bon pour nous. All right. Here, Brother Philip. We didn't have that one, but I'll read it for you.
Nous n'avions pas celui-là, mais je vais l'aider pour vous. I'm so blessed when I think of this. Je suis tellement béni quand je pense à ceci. Because when I say to God, parce que quand je dis à Dieu, you're my father. Tu es mon père. I know what that means. Je sais ce que cela signifie. And because he's my father, et parce qu'il est mon père, I have to be like him. Je dois être comme lui. See, just like you. Voyez, comme vous. Amen. Brother Branham said parts of your body resemble your father. Frère Branham dit que des parties de votre corps ressemblent à votre père. Because it's your father. Parce que c'est votre père. In the natural. Dans le naturel. Now let's go on here and look at what he says. Maintenant, lisons ici voir ce, pour voir ce qu'il dit. From here. In very plain language. The true bride of Christ was in the mind of God eternally. En langage bien clair, la véritable épouse de Christ était dans la pensée de Dieu éternellement. Though not expressed until each come forth in the designated decreed season. Bien qu'elle n'ait pas été exprimée tant que chacun n'était pas apparu au temps fixé désigné pour lui. So this is our day. Alors, ça c'est notre jour. This is the season that God ordained for us to come in. C'est le temps dans lequel Dieu a décidé que nous venions pour lui. You couldn't come before this. Vous ne pouviez pas arriver avant ça. Because God determined when you will come. Parce que Dieu a déterminé quand vous alliez venir. Are you with me? Est-ce que vous me suivez? Do you see it? Est-ce que vous le voyez? All right. Très bien. I would have loved to be here in the time of Moses. Parfois je pourrais penser j'aurais aimé être là au temps de Moïse. Or maybe I'd love to be here during the time when Jesus was walking the earth. Ou peut-être que j'aurais aimé être là pendant que Jésus marchait sur la terre. No. Non. This is my time. Ça, c'est mon temps. This is your time. Ça, c'est votre temps. Amen. Amen. This is the time that God designated for you to be here. C'est le temps que Dieu a désigné pour que vous soyez là. Amen. And he guided you. Et il vous a guidé. To be here tonight. À être ici ce soir. He knew you would be here. Il savait que vous seriez ici. All right, let's continue here. Très bien, continuons ici. Brother Branham says here. Frère Branham dit. Okay, so in very plain language, the true bride of Christ was in the mind of God eternally. En langage bien clair, la véritable épouse de Christ était dans la pensée de Dieu éternellement. Though not expressed until each came forth in the designated decreed season. Bien qu'elle n'ait pas été exprimée tant que chacun n'était pas apparu au temps fixé désigné pour lui. As each member come forth, it became expressed and took its place in the body. Chaque membre en venant était exprimé et a pris sa place dans le corps. Oh, what a blessing. Oh, quelle bénédiction. Praise God. Gloire à Dieu. We took our place in the body. Nous avons pris notre place dans le corps. Which body? Quel corps? The body of Christ. Le corps de Christ. We took over. What a blessing. Oh, look, quelle bénédiction. Let's continue here. Continuons ici. It touches my heart. I feel so blessed when I think of these things. Cela touche mon cœur et je me sens tellement béni quand nous parlons de ces choses. Brother Branham, continue here. Frère Branham dit, continue ici. He says here. Il dit ici. Thus, this bride is the literally spoken word seed bride. Ainsi, cette épouse est littéralement l'épouse semence parole parlée. And though she is feminine in designation, et bien qu'elle soit désignée au féminin, she is also called the body of Christ. Elle est aussi appelée le corps de Christ. It is very apparent that she ought to be called that. Il est tout à fait clair que c'est ainsi qu'elle doit être appelée. For she was predestinated in him. Car elle était prédestinée en lui. Come from the same source. Elle est venue de la même source. Was eternal with him. Elle était éternelle avec lui. And is now manifesting God in a many-membered body. Et maintenant, elle manifeste Dieu dans un corps fait de plusieurs membres. Whereas once God was manifested in one member, even our Lord Jesus Christ. Alors qu'auparavant, Dieu s'était manifesté dans un seul membre, notre Seigneur Jésus-Christ. Now then, here we are coming to a conclusion. Nous en arrivons donc maintenant à une conclusion. As the eternal Logos, God was manifested in the Son. Comme le Logos éternel, Dieu a été manifesté dans le Fils. And in Jesus dwelt all the fullness of the Godhead bodily. Et quand Jésus habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. That eternal one was the Father manifested in flesh. Comme cet être éternel était le Père manifesté dans la chair. And thereby gained the title of Son. Obtenant ainsi le titre de fils. We'll hurry here, okay? Nous nous dépêchons ici maintenant. Even so, we eternally in his thoughts. De même nous qui sommes éternels dans ses pensées. In our turn. Nous sommes devenus à notre tour. Amen. Became the many-membered spoken word seed. La semence parole parlée composée de plusieurs membres. Amen. Manifested in flesh. Manifestée dans la chair.
And these eternal thoughts, et ces pensées éternelles, now manifested in flesh, qui sont maintenant manifestées dans la chair, are the sons of God. Sont les fils de Dieu. So the eternal thoughts of God, donc les pensées éternelles de Dieu, manifested in flesh, manifestées dans la chair, Brother Branham says, Brother Branham dit, that's the thoughts of God, that's sons of God. Ça, ce sont les fils de Dieu. We came from God. Nous sommes venus de Dieu. His thoughts, ses pensées, manifested in our flesh, manifestées dans notre chair. Oh, I feel so good. Oh, je me sens tellement bien. Praise God. Oh, gloire à Dieu. Who could be against us? Qui sera contre nous? Who? Qui? If God be for us. Si Dieu est pour nous. We are part of that bride. Nous faisons partie de cette épouse. Amen. Amen. You see? Vous le voyez? Oh, God be praised. Oh, louons Dieu. Amen. It's his word. C'est sa parole. It's his spirit. C'est son esprit. Amen. Everybody can't receive it. Ce n'est pas tous qui pourront le recevoir. Everybody can't. All the earth can't be cattle. Toute la terre ne peut pas être bétail. All the earth can't be fish. Toute la terre ne peut être poisson. But is that part of the earth where the life is? Mais c'est cette partie de la terre où il y a de la vie. You see it. Vous le voyez. And all of those thoughts. Et toutes ces pensées. All of those attributes. Tous ces attributs. None will be lost. Aucun ne sera perdu. God will quicken every one of them. Dieu va vivifier tous. Why? Pourquoi? Because it's life. Parce que c'est la vie. The gene of God is life. Le gène de Dieu, c'est la vie. It's eternal life. C'est la vie éternelle. Just like in the gene from your father. Tout comme dans le gène de votre père. All the attributes of your physical body was there. Toutes les attributs de votre corps physique se trouvaient là. And in the gene of God. Et dans le gène de Dieu. All of it is there. It's a part of God. Tout est là. C'est une partie de Dieu. The nature of God. La nature de Dieu. What a blessing. Quelle bénédiction. Let me read this just to finish. Laissez-moi lire ceci pour terminer. But Abraham goes on. Abraham continue. He says here. Il dit ici. We did not become seed by the rebirth. Nous ne sommes pas devenus la semence par la nouvelle naissance. We were seed and therefore were reborn. Nous étions la semence, c'est pourquoi nous sommes nés de nouveau. For only the elect could be reborn. Car seuls les élus peuvent naître de nouveau. Because we were seed, is the reason we could be quickened. C'est parce que nous étions la semence que nous avons pu être vivifiés. In non-seed, there is nothing to quicken. Dans ce qui n'est pas de la semence, il n'y a rien à vivifier. The sun come over the earth. Le soleil frappe la terre. The rain fall. Et la pluie tombe. It fall on the earth. Elle tombe sur la terre. If there is no seed there, s'il n'y a pas de semence là, what could be quickened? Qu'est-ce qui pourrait être vivifié? Nothing. Rien. The light of this message came. La lumière de ce message est venue. To do what? Pour faire quoi? To quicken the seed. Pour vivifier la semence. What seed? Quelle semence? Amen. The seed of God. La semence de Dieu. And because it is in this flesh. Et parce qu'elle est dans cette chair. Et dans votre chair. Amen. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? As the word is quickened. Alors que la parole est vivifiée. It brings the life this flesh. Elle vivifie cette chair. Just as the apple did. Tout comme la pomme l'a fait. And then you eat the apple. Et ensuite vous mangez la pomme. And God gets all the praise. Et Dieu reçoit toute la louange and all the glory et toute la gloire from you, de vous, his attributes, ses attributs manifested manifestés in flesh. Dans la chair. The rest can't. Le reste, ça ne se peut pas. Because there was no seed in there. Parce qu'il n'y a pas de semence qui se trouve là. The human beings, yes. Il y a des êtres humains là. They're part of the earth. Ils font partie de la terre. Yes, sir. Oui. But the seed wasn't there. Mais la semence n'était pas là. So what happens to them? Alors, qu'est-ce qui se passe avec eux? They never came from God. Ils ne sont jamais venus de Dieu. They never go back to God. Et ils ne retourneront jamais à Dieu. See? Voyez? What you had, ce que vous aviez, is a part of the earth. C'est une partie de la terre. Dust thou art. Et tu es la poussière. And you return to the dust. Et tu retourneras à la poussière. This is deep. Ça, c'est profond. But I hope you see it. Mais j'espère que vous le voyez. It's so simple. C'est tellement simple.
Let's continue here quick. Continuons rapidement, je veux terminer. Because I've pushed aside a lot of quotes. Parce que j'ai mis de côté beaucoup de citations. And things I can go into, but et des choses que je pourrais aborder. But I trust that it'll be a blessing. Mais je crois que ce sera une bénédiction pour vous. Let's continue. Continuons. Brother Branham says here. Branham dit ici. We'll read this again. Nous allons relire cela. We did not become seed by the rebirth. Nous ne sommes pas devenus la semence par la nouvelle naissance. We were seed and therefore were reborn. Nous étions la semence, c'est pourquoi nous sommes nés de nouveau. See, because when you talk about the seed, don't forget you're talking about. Vous voyez, quand on parle de la semence, n'oubliez pas, God, on parle du gène de Dieu. The part of God, la partie de Dieu that is in you, qui est en vous. So Brother Branham says here, donc, Frère Branham dit ici, we were seed and therefore were reborn. Nous étions la semence, c'est pourquoi nous sommes nés de nouveau. For only the elect could be reborn. Car seuls les élus peuvent naître de nouveau. Because we were seed is the reason we could be quickened. C'est parce que nous étions la semence que nous avons pu être vivifiés. In non-seed, there is nothing to quicken. Dans ce qui n'est pas de la semence, il n'y a rien à vivifier. Now, hold this carefully in your mind. Gardez bien ceci à l'esprit. And take the next step. Maintenant, passons à l'étape suivante. Are we ready to take the next step just before we close? Sommes-nous prêts à passer à l'étape suivante juste avant de terminer? I had some things that another couple of quotes very important, but j'avais d'autres citations très importantes. Let's go here. Lisons ici. Redeem means to buy back. Racheter veut dire acheter quelque chose que l'on possédait à l'origine. It restores to the original owner. C'est ramené au propriétaire originel. God by his death, Dieu par sa mort, the shed blood, par son sang versé, brought back his own, a racheté les siens. He brought back the spoken word seed bride. Il a racheté l'épouse semence parole parlée. My sheep hear my voice, word. Mes brebis entendent ma voix, ma parole. And they follow me. Et elles me suivent. You always were a sheep. Vous avez toujours été une brebis. You were never a pig or a dog turned into a sheep. Vous n'avez jamais été un porc ou un chien transformé en brebis. That is impossible. C'est impossible. For every kind of life produces the same kind and there is no change in species. Car toute espèce de vie produit selon son espèce et il n'y a pas de changement d'espèce. Remember when I was in Africa? Je me souviens, j'étais en Afrique. And the brothers told me. Et les frères m'ont dit. They said that there was a whole, some of the witch doctors transformed themselves into elephants and attack a village. Il y avait des docteurs, des sorciers voodoo qui s'étaient transformés en éléphants et qui avaient attaqué un village. I said to them, I don't believe that. Je leur ai dit, je ne crois pas cela. I do not believe a man could transform himself into an elephant. I don't believe it. Je ne crois pas qu'un homme puisse se transformer en éléphant parce que cela, ce n'est pas selon la parole. No, a devil could get a hold of him. I believe that. Maintenant, je crois qu'un diable peut s'emparer de lui. Ça, je le crois. That's the Bible. Ça, c'est la Bible. Let's hurry here. We try to finish. On se dépêche ici. Nous essayons de terminer. So Brother Branham here tells us. Donc, Frère Branham ici nous dit. He says, "You never was a pig or a dog turned into a sheep." Il dit, vous n'avez jamais été un porc ou un chien transformé en brebis. That is impossible. C'est impossible. For every kind of life produces the same kind and there is no change in species. Car toute espèce de vie produit selon son espèce et il n'y a pas de changement d'espèce. As we were in the thoughts of God, comme nous étions dans les pensées de Dieu, and then expressed in flesh, et que nous avons ensuite été exprimés dans la chair, there had to come a day when we would hear his voice, the word. Il devait venir un jour où nous entendrions sa voix, la parole. And hearing that voice, et en entendant cette voix, become aware of our Father calling us. Nous allions nous rendre compte que notre Père nous appelle. And recognize, et reconnaître, that we are the sons of God. Que nous sommes les fils de Dieu. We heard his voice. Nous avons entendu sa voix. And we cried out at his prodigal son. Et comme le fils prodigue, nous nous sommes écriés. Save me, O my Father. Sauve-moi, O mon Père. I am returning to thee. Je reviens à toi. Brother Branham continues. Frère Branham continue. A son of God could go a long time before he recognizes that he is a son. Un fils de Dieu peut mettre longtemps à reconnaître qu'il est un fils. Oh my. Oh là là. Amen. We went a long time. Vous voyez, on a passé beaucoup de temps. But now we recognize. Mais maintenant nous reconnaissons that we are a son. Que nous sommes un fils. This flesh. Cette chair. Is a part of the earth. Est une partie de la terre. And in this flesh. Et dans cette chair. Is eternal life. Il y a la vie éternelle. It's the gene of God. C'est le gène de Dieu. And that gene. Et ce gène. Is your soul. C'est votre âme. And it's a part of God. Et c'est une partie de Dieu. You can't do anything but come back to God. Vous ne pouvez faire autrement que de revenir à Dieu. It's not the flesh.
Ce n'est pas la chair. The flesh profiteth nothing. La chair ne mène à rien. Amen. It is the seed in the flesh. C'est la semence dans la chair. It is the seed, the gene of God in you. C'est la semence, le gène de Dieu en vous. And that's why you will sacrifice everything. Et c'est la raison pour laquelle vous allez sacrifier tout. For him. Pour lui. He's your father. Il est votre père. You recognize he's calling you. Et vous reconnaissez qu'il vous appelle. There's another quote I have on that that I. Il y a une autre citation qui porte sur cela. I may not have time to go into it. Je n'aurai probablement pas le temps de la lire. Let me just read this here. Mais laissez-moi lire ici. Could we go a little further? I didn't write it out. Excuse me here. Maybe we'll go a little further. Yeah, he says here. But when he heard the call of the great eagle, he came to his own place. It's right over here. Can I attend you right here? Mais quand il a entendu l'appel du grand aigle, il a rejoint la place qui était la sienne. And once a true son of God, et une fois qu'un véritable fils de Dieu hears the cry of the Spirit by the word, entend ce cri de l'Esprit par la parole, he too will realize who he is. Lui aussi prendra conscience de qui il est. And run to the great prophet eagle, et il accourra vers ce grand aigle prophète and be with him forever, pour être avec lui pour toujours, seated in heavenly places in Christ Jesus. Assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. We heard the cry. Nous avons entendu le cri. We recognize. Et nous avons reconnu who we are. Qui nous sommes. Something happened in us. Quelque chose s'est passé en nous. Amen. Amen. It's, Brother Branham said it's a trembling time. Frère Branham dit que ce sont des temps troubles. What is it? Qu'est-ce qui se passe? Amen. That word is coming to life. Cette parole est vivifiée. Amen. Nothing could stop it. Et rien ne peut arrêter cela. All hell. Tout l'enfer au complet. Amen. All hell. Tout l'enfer. No reasoning. Pas de raisonnement. No power of reasoning. Pas de puissance de raisonnement. No affections. Pas d'affection. Nothing, nothing, nothing. Rien, absolument could separate rien. Us from that. Ne peut nous séparer de ça. Why? Pourquoi? We were predestined to it. Nous avons été prédestinés à cela. How? Comment? The gene of God is in us. Le gène de Dieu est en nous. It was not our choosing. Ce n'était pas par notre choix. It's God that determined that. C'est Dieu qui a décidé and cela. And you opened your heart. Et vous avez ouvert votre cœur. And said, Father. Et vous avez dit, Père. Father. Père. I'm coming back to you. Je reviens à toi. This is the hour now. C'est l'heure maintenant. Amen. 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 We recognize who we are. Nous reconnaissons qui nous sommes. Now somebody could say, no, 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 I don't believe you are the bride. Maintenant, quelqu'un pourrait dire, non, 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 je ne crois pas que tu es l'épouse. I don't believe you are a son of God. Je ne crois pas que tu es un fils de Dieu. That is the person's problem. Ça, c'est son problème à cette personne-là. We have nothing, that has nothing to do with us. Ça n'a rien à voir avec nous. We recognize. Nous reconnaissons. Who we are. Qui nous sommes. Oh, let's give him praise. Oh, louons-le. He is worthy. Il est digne. He is worthy. Let's just il est digne. Louons-le et louons-le et louons-le et louons-le. Worthy, worthy, worthy. Tu es digne. That's why we are here to give him praise. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici pour lui rendre gloire. Nothing stops us from glorifying him. Rien ne peut nous arrêter de l'empêcher de le glorifier. Brother Branham says, how could we stop from being happy when we know these things? Madame dit, comment pouvons-nous nous empêcher d'être heureux quand nous savons ces choses? Amen. It's a revelation. C'est une révélation. Our eyes are open. Nos yeux sont ouverts. It's not what we think. Ce n'est pas ce que nous pensons. It's what God does. C'est ce que Dieu fait. Amen. It's a reality. C'est une réalité. It's life. C'est la vie. It's beyond imagination. Ça dépasse l'entendement. It's beyond reasoning. Ça dépasse le raisonnement. C'est la vie. Amen. It's the gene of God. C'est le gène de Dieu. The nature of the world dies. La nature du monde meurt. Amen. Born with two natures. Né avec deux natures. But one had to die. Mais une doit mourir. And tonight. Et ce soir. It's not the same George Ferguson. Ce n'est pas le même George Ferguson. Of 50 years ago. D'il y a 50 ans. Amen. Amen. It's not the same Eric. Ce n'est pas le même Eric. That's maybe 20, 25 years ago. D'il y a 20 ou 25 ans. We have been changed. Nous avons été changés. What changed? Qu'est-ce qui a changé? We come back to God. Nous sommes revenus Amen. À Dieu. We came from God. Nous sommes venus de and Dieu. We come back et to nous God. Retournons à Dieu. And when we come back et to quand God, nous retournons à Dieu. But Abraham said it's by a process. Abraham dit ça, c'est par un processus. Which I don't have time to read. Je n'aurai he pas said by temps the process of justification, sanctification, and the baptism of the Holy Ghost. Il dit c'est par le processus de la sanctification, la justification et le baptême du Saint-Esprit. Amen. We were brought right back. Nous avons été ramenés. Now we have come back. Maintenant, nous sommes revenus. To our Father. À notre Père. And our God. Et à notre Dieu. Who could separate us?
qui peut nous séparer? That tie is so strong. Ce lien est tellement serré. It's tied for all eternity. C'est des liens tissés pour toute l'éternité. Let's bow our heads. Inclinons nos têtes. Lord, our hearts rejoice. Seigneur, nos cœurs se réjouissent. You are God. Tu es Dieu. You are Father. Tu es notre Père. You are Savior. Tu es notre Sauveur. You are Redeemer. Tu es notre Rédempteur. We see the simplicity. Nous voyons la simplicité of the mystery des mystères of predestination. Du mystère de la prédestination. Election. Et l'élection. And Father. Et Père. Your gene. Le gène. The seed. La semence. From you. De toi. Is in us. Est en nous. It's fallen in this mortal body. C'est tombé dans ce corps mortel. To quicken this mortal body. Afin de vivifier ce corps mortel. Not all the earth. Pas toute la terre. But the part of the earth where the seed is enclosed. Mais la partie de la terre qui enveloppait la vie. We thank you for this. Nous te remercions pour What cela. A privilege. Quel privilège. That this part of the earth. Que cette partie de terre. Amen. Could enclose. Qui pouvait envelopper. Amen. The gene of God. Le gène de Dieu. Father, what a privilege! Père, quel privilège! What an honor! Quel honneur! Amen. There's no words we can express, Lord. Il n'y a pas de mots qui puissent exprimer cela, Seigneur. If we say thank you, si nous disons merci, it's not enough, ce n'est pas assez, Seigneur. If we say praise you, si nous te louons, amen. It's not enough, Lord. Ce n'est pas assez, Seigneur. Amen. It's beyond anything we can say. C'est au-delà de tout ce que nous pourrions dire. Anything we can think as human beings. Tout ce que nous pouvons penser en tant qu'être humain. But tonight, mais ce soir, tonight, Lord, ce soir, Seigneur, we want to say it to you. Nous voulons te dire, you are our Father. Tu es notre Père. Father, Père. Father, Père. We come back to you. Nous revenons à toi. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. We'll sing that in the chorus. Nous allons chanter ce petit cantique. Ni les larmes, ni les pleurs ne sépareront de Jésus. Amen. Trois cents. Il est. Thank you.
Oh, quelle bénédiction. Je crois que sa présence est ici avec nous, n'est-ce pas? On se lève, puis je peux demander à notre cher Frère Denis Boulay. Frère Denis, peux-tu terminer ce soir avec un petit mot de prière, Frère Denis? Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir, vous chanter un autre cantique avant, on quitte. Je suis ton enfant. Amen. 427. Merci Seigneur. Amen. 427. Amen. Ok. Merveilleux. Amen. Tiens, ma mère. Oh, il est ici pour ça, n'est-ce pas? Il tient nos mains. Nous sommes ses enfants. Amen. Allez. Thank you.
Bénédiction. Amen, je suis ton enfant. Et quand vous lui dites, Père, 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 m'explique qu'est-ce que signifie. Tu lui dis, je viens de toi. Père. C'est pour ça que Jésus a dit, les scribes et les pharisiens disent, si Dieu était votre Père, si Dieu était votre Père, quand il parle avec les scribes et les pharisiens, mais Dieu, il est notre Père. Amen. Et nous lui louons. À cause de ça. Ce n'est pas tous qui viennent de lui, pas du tout. Mais ceux qui viennent de lui, c'est son fils. Et cet attribut, cette gêne manifestée dans le chair, Dieu appelle ça fils. Vous êtes le fils, le fils de Dieu. Gêne de Dieu manifestée dans le chair. Oh, on peut continuer. Ce soir, je pense que c'était simple, très simple. J'ai confiance que c'était pour vous une bénédiction. C'est pour moi une grande bénédiction. Et quand vous écoutez les bandes, vous arrivez pour vous écouter les bandes, vous écoutez les bandes parlent, vous verrez comment ils parlent. C'est comme par exemple le message, qui est cette Melchizedek, tout ce message-là, qui parle de toutes ces choses. Et peut-être, cette semaine, si vous avez une chance, un petit peu de temps, vous pouvez aller écouter ce message qui est cette Melchizedek. Ce sera une bénédiction, amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Ouais. Ça a l'air que personne ne voulait partir. Sa présence est ici. Si vous reconnaissez sa présence, c'est tellement merveilleux pour reconnaître qu'il est ici avec nous. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. N'oubliez pas de prier pour les uns les autres. Et de réunion de prière mercredi passé, c'était vraiment extraordinaire. Parce que vous qui étiez ici, nous avons réuni ici, c'était merveilleux. N'oubliez pas de prier pour les uns les autres. La Bible le dit, le message le dit. Que le Seigneur vous bénisse. La réunion est maintenant. Thank you.